regarder les chats, les loulous. Hop, cascade. Allez. Un sac acheté, un chaton offert. La promotion. C'est une belle promo, ça. C'est une belle promo, ouais. Non, t'es pas d'accord ? Bon, les faux filous, de bon matin. On habitue un petit peu les chatons, on les sort un petit peu à être dehors. On les habitue à être dehors. Voilà. Bon, Jaja veut tous les garder avec elle. Il y a là-bas du mélange de mamans. Hein ? En fait, les deux mamans, elles s'en fichent complètement de qui vient les téter. Elles nettoient les bébés des autres, les bébés vont sur l'autre maman. Voilà. C'est un partage, comme à l'ancienne, les mamans bah, donnaient le sein à tous les bébés. Et là, on a un petit souci. Ce matin, Andrea s'est réveillée comme ça. Même pas, c'était pas autant. Enfin, c'était pas autant, ça se développe encore. Et voilà, ils viennent d'aller à la pharmacie avec Stéphane. Et bah, du coup, médicaments en urgence, homéopathie. Je me transforme en claquette. Ça serait une allergie au soleil. Ça va être pratique. Tu sais qu'on va au soleil, destination soleil. Oui. Voilà, donc on va se renseigner sur tout ce qui peut être fait. Il nous faut du coup un... Attends, parce que ça fait pas la pointe. Ce qui peut être fait en amont, oui, déjà la crème solaire, ça c'est sûr. Bon, sachant que, ben, vous le savez, Andrea a tendance à être une ermite. Alors, est-ce que ça peut ne pas être une réaction parce que, justement, elle s'est que ponctuellement mis au soleil et qu'elle s'y met pas d'habitude, ou est-ce que... Ce qui me semble bizarre, c'est que j'ai toujours été un peu comme ça, à être une ermite, à aller même dans l'eau et à ressortir, parce que je suis allée me baigner hier. Alors moi, je dis, parce que bon, pour avoir fait des grosses réactions allergiques, que ça peut être une association des deux. L'eau avec le soleil derrière. Voilà. Donc de toute façon, bah là, l'eau, on va oublier. Hein. Tu n'es plus dans l'eau ? Après, elle peut aller à l'eau, mais que très très rapidement, pas beaucoup, et puis ce sera quand il fera moins chaud. Quand tu auras moins de soleil. Ouais. Voilà, déjà, il faut que les médicaments agissent. Elle a dit, du coup, ça c'est pendant. On a sorti les autres chatons parce qu'ils sont réveillés. Oui, bah, c'est regardez comme ils sont tout beaux. Hi, pipi. Du coup, là, je sors pas. Donc, il y a eu un petit chaton de réservé. Oui, c'est où ? Il n'est pas lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui, oui. Il n'a pas encore de nom. Il n'a pas encore de nom. Oh, t'as été réservé. T'as une petite maman qui t'attend sur Tarbes. Hein? Oui. Loupi. Oui. Petit pipi. Et Galilée, elle adore s'occuper des bébés. Tu vas m'enlever mon lit. Ce seront des chats habitués aux chiens. En tout cas, aux petits chiens. Mais bon, je pense pas que ça leur fait une grosse différence pour eux. Regardez comme il demande d'aller jouer avec Galilée. Hein ? Doucement, hein, Galilée. T'es gentil, hein ? T'es gentil. Non, doucement. Elle veut les choper, vous savez, comme ils chopent leur propre bébé, en fait. C'est Pilou, parce qu'il est tout mignon et il est tout doux. Il est où, Pilou ? Pilou. Il est où, Pilou ? Il est là, Pilou. Oh. Oh, mignon. Oh. Oh, mignon, mignon. Un beau chouet. Oh. Il a été mélangé. Eh, papa, baba, on va pas contre mes... contre mes jambes. Oh non, c'est pas une bonne idée, là. Tac. Okay. On va juste dans le creux de maman. Et même pas... Même pas... Pas, pas là. Oh, putain. Ça... Ah, mais... Ah.
Vous avez trop de dents maintenant. Je me sens très à l'aise dans mon corps. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-ci aussi. Là. Oh, il est magnifique. C'est Loupi. Magnifique. On est d'accord, hein. C'est Loupi. Oh, t'es magnifique. Loupi. Oh. Oh, ils sont tous beaux. Hein. Et là, c'est la petite Miss Courage. Ce qui n'est plus faible que les autres et à qui on donne le biberon. T'es sûr ça, c'est pas pour toi? Non, c'est Courage. Non. Et petit pipi. Oui. Mais je peux vous dire qu'elle est éveillée, hein. Bon, sinon, hier, on a testé madame la clim, là, qui est là. Bon, c'est efficace, mais que 3 mètres devant, donc c'est pas génial. Voilà, maintenant, quand on a vraiment besoin de se rafraîchir, c'est bien pour se rafraîchir sur 3 mètres devant. Mais on a le petit ventilateur qui est là, qui fait quasiment... la même chose en fait, donc bon, ça rafraîchit pas autant quand même. Enfin voilà, ça va falloir travailler sur tout ça, sur comment avoir moins chaud. Il y a Loupi qui part à l'aventure. Loupi part à l'aventure. Chaque chose en son temps. Loupi part voir. Et Stéphane, tu vas faire quoi aujourd'hui, toi? Alors aujourd'hui, plusieurs choses. On dégage le lit d'Andrea. Ouais. Parce qu'on dégage Andrea. Voilà. Non, on dégage non, pas Andrea. En fait, on emmène la voiture chez nos amis Angelo et Suzanne qui la récupèrent. J'emmène la voiture chez Angelo et Suzanne. Et du coup, on amène quelques affaires qui vont nous stocker là-bas. On a un petit rhume. Hein. Dont le lit d'Andrea. Demain matin, il m'emmène à Clermont-Ferrand où je vais prendre du coup un blablacar. Pour aller jusqu'à Laval récupérer le camion. Le camion où mademoiselle va emménager dedans, mais qui du coup sera pas à elle, ouais. Puisqu'elle n'a pas travaillé pour se le payer, madame. Voilà. Elle sera à elle quand elle pourra commencer à se le payer. Voilà. Il hein. Y a aucun qui est en train de te bouffer les doigts. Donc qui va être à nous, du coup. Donc voilà. Ça va faire partie de notre convoi. Et de toute façon, pour l'instant, c'était mieux de faire comme ça par rapport aux assurances. Parce que... Bon, regardez comme on est pas petit bien là. Ah, on se fait un petit pique-nique, donc vous voyez il y a l'aire de baignade surveillée derrière, nous on s'est mis en haut, à l'ombre. Andrea donc est super couverte pour son allergie au soleil du coup. Ouais non, pas aujourd'hui en tout cas. Mais a priori ça se calme vite. Voilà, moi j'ai pris de quoi dessiner et tout, donc voilà. On est là. Timaël qui est avec nous aussi. Et regardez ce petit air comme c'est sympathique. Il y a une petite plage de sable derrière. Des jeux pour les enfants. Plein d'espace. Là derrière c'est l'acrobranche donc, qui démarre là-bas au petit cabanon ici. Et nous on est tout en haut. Là-bas. Vous voyez, il a l'air de camping-car qui est ici. Ouais, je vois le camping-car de Steve. Voilà, on voit le camping-car de Steve qui est sur la droite, là, tac. Et nous, on est derrière les arbres, là-bas, avec la belle vue. Et on va manger une bonne salade de thon. Miam, miam, thon, œuf. Avant que Stéphane s'en aille tout à l'heure, chez Angelo et Suzanne, il est triste. Trop triste sur Stéphane. Allez, dernière grosse séparation, on va dire. Avant un bout de temps. En 48 heures. À moins de 48 heures. Ah bon ? Il va se quitter. Ouais. Récupérer le camion. Moi, voilà, on vit aussi nos premières galères. On rentre de la baignade et l'onduleur est en erreur. Donc, j'ai démonté le panneau de contrôle. Et je me suis aperçu voilà, que ça avait chauffé là-dedans. Là, je sais pas trop si on voit là, mais ça a cramé en fait. Et pareil, le RJ45 qui est là aussi cramé. Donc je sais pas trop pourquoi. Alors est-ce que c'est parce qu'on a branché la clim? Mais bon, avec tout le soleil qu'il y a, c'est censé compenser quand même. Donc là, je comprends pas trop le souci. Alors vu que c'est au niveau de l'Ethernet, j'avais la possibilité de brancher avec une deuxième borne Ethernet. Donc ben, on va voir ce que ça donne du coup.
Nous avons fait une expérience de mettre tous les chatons et les deux mamans ensemble. On voit même plus Ruby. Moi, je m'attendais à ce que ça se batte direct, mais non. Non, ils sont sages. Il y a juste Ruby qui a Saphir qui ne sait pas trop se mettre. Et Galilée aussi. Donc, si ça se trouve, on pourrait mettre les cages en face à face avec une litière sur le côté. Ouais. Plutôt que de faire deux litières et deux cages séparées. Hein ? Saphir ! Ça va ? Et Ruby, elle. Ruby, elle est ensevelie de chatons. Et pendant que Stéphane gère la panne de courant, moi je suis très stressée, très. Je fais un truc zen, voilà. Je fais un petit mandala. Tranquille. Écoute, hein, si le courant il doit revenir, il reviendra. S'il doit pas revenir, c'est surtout ce qu'il y a dans le frigo qui pose problème. Ouais, il reviendra le courant. Hein. Il va bien revenir un jour. Hein. Ouais. Hein ? On a presque fini. Hein. Voilà, sinon j'ai tout mangé en une soirée. En plus, Raphaël n'est pas encore parti. Non. Bon, du coup, comme ça a l'air de pas mal se passer, voilà. On a fait une grande cage avec les deux cages. Et comme ça, on va pouvoir mettre une litière d'un côté. Oui, Galilée. Pour qu'ils apprennent la propreté, parce que ça commence à être un peu juste. La maman, elle fait les petites toilettes, mais on sent que ça commence à être un peu juste. Donc, Galilée. Comme ça, ils vont apprendre. Puis là, il y a un partage du coup de tétons. Ah, Galilée, elle est folle. Ça y est, les faux filous, ça y est, on a pu récupérer le camion, le Renault Trafic. Allez, on fera un petit home tour. Voilà, aujourd'hui, bah, je suis parti à 9h20 de Clermont, arrivé du côté de Laval à 15h20 chez Philippe. Et bah, là, je repars direction Clermont. Voilà, on retourne à côté d'Issoir. Voilà, et on vous fera un petit home tour du camion. Allez, go! Allez, je propose rien du tout. Allez, je profite de cette petite pause dans la région de Tours pour vous remontrer un petit peu le véhicule en question. Un Renault Trafic VASP. On avait déjà fait une petite vidéo dessus quand on était allé visiter. Voilà, franchement, pas mal du tout, hein, même au niveau de la conduite. Là, je viens de faire 200 km. C'est plutôt top. Et alors, ce qui est chouette aussi, c'est ça. Alors, il y a un petit coffre, flight case, fait sur mesure. Pas mal, hein, le petit Trafic. Hein. Bon, alors, puis un petit tour rapide de l'intérieur. On refera un petit peu plus en détail après. Plutôt chouette. Hein. Plutôt chouette, le petit Trafic. Et propre.
Ah, bah il repart finalement. Ah non, il arrive. Faut se décider. Je vois pas pourquoi. On est étonné, mais c'est vrai. Regardez ce beau coucher de soleil qu'on a ce soir. Et vous reconnaissez un petit peu la voix derrière ? Encore. C'est Kiki là ? Encore. C'est Kiki. Ils sont encore là. Kiki, sont les snorkies. Bon, mamie est dans l'ombre. Elle est dans l'ombre de son fils. Voilà. Kiki, fais autre chose. Ouais. Oh non, non. Non, non, je me sers jamais de ce doigt parce que j'ai peur qu'il ait un accident. À cause des anges. Voilà. Alors, on va leur en faire un ? Eh ben, alors, on est trop contents, en tout cas. Penseur, musée, bronze. Alors, on est dans les apéricubes. Penseur, musée, bronze. Quand je suis au shot de couler un bronze, et je fais le penseur. Après, c'est pas trop un musée. Bon. Rodin. Tiens, alors, on veut Sophie. Ah, ben oui, Auguste Rodin. Voilà. Oh, dis donc, pour une fois, c'est des apéricubes, c'est pour moi où je devine c'est facilement. Animateur, ça y est, nulle part. Marque que les tables commencent à se rallonger. Ouais. C'est Garcia, non, c'est pas Garcia. Antoine Decaune. Et comment il comment il s'appelait cet animateur-là? Bon, bah voilà, on n'a pas le courant, mais au moins, on a les amis. Voilà. Bon, on a un petit peu de jus quand même. On a un tout petit peu de jus parce qu'on a un tout petit convertisseur de 300 watts. Donc au moins, on peut se mettre un peu de lumière quand même. Au moins. Un tout petit peu. Là, c'est au citron, si vous voulez. Revanche, actrice vanity. Alors, si je commence comme ça. Ça, c'est... Donc, sans électricité, on joue bien quand même. Bon. Heureusement, on a les poteaux qui nous ont prêté un peu de vent. Ça nous fait un peu de lumière. On a quand même les petites lumières solaires sur Eden. Et puis là, on a une lumière. Sur Eden, là-haut. On a les cheveux à Stéphane qui nous éclaire. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Voilà. Et puis, on est jeudi. On doit recevoir un nouveau convertisseur mardi. Voilà. Voilà, donc bah, on attend. Voilà, j'ai un petit main. On s'occupe du congélateur du coup. Ah. On, ouais. Congèle. On le mange. On mange aussi dedans en tout cas. Buckingham. Mais ça va qu'il n'y a pas besoin de chauffer. Hein. Nous, on n'a pas d'assiette. Bon, on aurait fait un feu. Ouais. Bah, tu me diras chauffer en plus, ça encore. C'est en 12 watts. Tu viens d'avoir fait un feu. Bon, ça y est, allez, c'est parti. On est tous dans Bubule. Là. Tous dans Bubule. On voit pas Mathéo, il est derrière. Là-bas. C'est parti. Pauline qui va prendre ses marques. Du coup, dans un camion et à la montagne. Ouais. Bon. Non, mais Pauline, elle a dit il n'y a pas de raison. Ah oui, ça va bien se passer, là, j'espère. Hein. Il n'y a pas de ceinture à l'arrière. Non. Okay. En fait, les coussins, ça glisse. Ça rappelle le cinéma. Il y a des coussins qui glissent. On va mettre des scratchs. Bon, on va superviser un peu quand même. Bon, les ceintures sont immétables. Hein. Donc. Voilà. Bon, il y a des réglages à faire. Hein. Hein, et des coussins qui glissent. Ouais. On est bien derrière. Hein. On est bien, il n'y a pas de coussins qui glissent. On a pas de... Ah bah nous, les coussins, ils glissent. Ouais. Galilée, elle est zen. Tout va bien. Voilà. Rio, il est content aussi.
êtes assuré, c'est bon ? Alors attends, la suite je vais le faire parce que là tu vois il faut venir attacher tout ça. Et on va faire dans l'autre sens. Ouais. Car on va rester temps sans travailler, le fil se détend. Suis de gauche, tu passes par-dessus. C'est dans l'autre sens, tu comprends? Voilà. Voilà. Oui, très bien. Un petit peu et les deux autres et tu les croises. Eh ben tu vois. Allez, les deux suivants, vas-y. Là, c'est lui. Attends, celui-là. Ah tu sais, il faut quelqu'un pour repérer les bons fuseaux. Hein. Voilà. L'autre passe par-dessus. Voilà. Et derrière, et je les croise.